dans le débat plus. Le débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Bonjour, je m'appelle Elie Kandi, depuis la commune de Ngalima. J'aimerais poser la question à monsieur l'honorable Francis Kalombo. Pourquoi ils ont peur que la Cour suprême de justice examine l'affaire mercenaire de Moïse Katumbi? Ces procès ne devaient même plus avoir lieu. Vous savez que lors de l'accord de Saint-Sylvestre, ces deux dossiers-là, celui de mercenaires tout comme celui de spoliation de la maison, ont été pris en charge. Il y a un rapport de la CINCO qui a prouvé qu'il y avait que du pipeau, c'est du chiffon. Mais maintenant, pour répondre à votre question, il y a deux choses que les auditeurs qui nous suivent doivent retenir. D'abord, numéro un, c'est la Constitution. L'article 19 de la Constitution dit ceci, je cite, hein, « Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » Est-ce que la Cour suprême de justice aujourd'hui, qui fait office de la Cour de cassation, est-ce que cette Cour a la compétence pour juger quelqu'un qui n'est plus gouverneur, c'est-à-dire qui ne bénéficie plus du privilège de juridiction au moment où la plainte a été déposée à son encontre ou la dénonciation? La réponse est non. Pourquoi il y a des compétences que d'attribution? Je comprends le procureur général de la République. Il s'est peut-être trompé parce qu'en l'envoyant là-bas, il s'est référé à l'ancienne loi, l'ordonnance loi numéro 82-017 du 31 mars 1982. En son article 102, prévoit effectivement qu'un ancien membre du conseil exécutif qui, lorsqu'il était en fonction, a commis des fautes, lorsqu'il a quitté, il continue à garder ses privilèges de juridiction pour ces infractions-là qu'il a commises pendant qu'il était en fonction. Et donc, il peut être jugé à la Cour suprême de justice. Il y a la nouvelle loi du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, la loi numéro 13-0010. Et l'article 102 de l'ancienne loi a été élagué. On a récupéré l'article 109 qui, dans l'ancienne loi, ne concernait que les députés. L'article 82 de la loi actuelle est né que la copie collée de l'article 109 de l'ancienne loi. Donc les législateurs l'ont ramené et ils l'ont mis maintenant pour le gouverneur, tout comme les ministres au niveau des provinces, tout comme au niveau national. C'est-à-dire quoi? On tiendra compte du statut de la personne au moment où la plainte a été déposée ou la dénonciation. Dans la requête que le procureur a envoyée auprès du premier président de la Cour suprême, il dit bien que Moïse Katumbi est simple citoyen. Alors dans ce cas, Moïse Katumbi est justiciable devant quelle juridiction? Moïse Katumbi peut être jugé auprès de TGI, puisque c'est là où le juge naturel de Moïse Katumbi est. Moïse Katumbi est jugé jusqu'à aujourd'hui pour l'affaire de spoliation de la maison avec le greffe. Pourquoi à ce moment-là, on l'a pas jugé à la Cour suprême en disant qu'il bénéficie du privilège de juridiction? S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi avoir peur de faire face à la Cour suprême de justice? Moïse n'a pas peur d'affronter la justice, mais il faut que ce soit la bonne justice. Les juges là vont le juger en quelle qualité? Si on veut le juger comme gouverneur, il faut que l'Assemblée lui enlève l'immunité, puisqu'il a ce privilège de juridiction. Mais si ce n'est pas comme gouverneur, puisqu'il ne l'est plus, donc on doit le renvoyer devant son juge naturel, TGI, de Lubumbashi en plus. Pour conclure, je crois qu'il y a le circulaire du PGR lui-même, qui est de 1989. Ces explications du PGR collées à l'article 82, vous verrez vous-même que ça tombe à pic. Donc, on ne peut pas juger Moïse. La Cour de cassation n'a pas la compétence de le juger et la loi ne lui a pas donné cette compétence de pouvoir juger quelqu'un lorsqu'il a plus ce qu'on appelle ce privilège de juridiction. Le débat plus. Votre émission, Le Débat, dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans Le Débat plus. Le Débat plus. Toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Un vice-gouverneur en résidence surveillée, c'est dans la province de l'Équateur, Tata Bikamba, est poursuivi dans une affaire de viol sur une jeune fille de 20 ans. Le procureur général de Mbandaka, informé, s'est déjà saisi du dossier depuis dimanche soir.
Top Congo FM. Situation toujours confuse à l'Assemblée provinciale du Congo central après les événements du week-end dernier. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale, la lumière n'a toujours pas été faite sur les commanditaires de l'attaque du siège de l'Assemblée et jusque-là, aucune enquête n'a été ouverte. Top Congo FM. Polémique autour de la machine à voter, l'UNC de Vital Kamerhe confirme sa désapprobation sur la nécessité de l'usage de cet outil. Jean-Baudouin Maillot, secrétaire général de l'UNC, invite la centrale électorale à écarter la machine du processus électoral. Top Congo FM. Encore un prêtre enlevé au Nord Kivu, l'abbé Célestin Ngango, curé de la paroisse de Karambi dans le Rutshuru, a été kidnappé dimanche par des hommes armés non autrement identifiés. Les ravisseurs exigent une rançon de $500,000 avant de le relâcher d'après la CENCO. Top Congo FM. Question d'un auditeur, la Cour suprême de justice a-t-elle la compétence de juger Moïse Katumbi dans l'affaire mercenaire? Ne manquez pas le débat plus à suivre avant la fin du journal. Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Le débat plus, votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans Le Débat plus. Le Débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Bonjour, je m'appelle Eli Kandi, depuis la commune de Ngalima. J'aimerais poser la question à monsieur l'honorable Francis Kalombo. Pourquoi ils ont peur que la Cour suprême de justice examine l'affaire mercenaire de Moïse Katumbi? Ces procès ne devaient même plus avoir lieu. Vous savez que lors de l'accord de Saint-Sylvestre, ces deux dossiers-là, celui de mercenaires tout comme celui de spoliation de la maison, ont été pris en charge. Il y a un rapport de la CENCO qui a prouvé qu'il y avait que du pipeau, c'est du chiffon. Mais maintenant, pour répondre à votre question, il y a deux choses que les auditeurs qui nous suivent doivent retenir. D'abord, numéro un, c'est la Constitution. L'article 19 de la Constitution dit ceci, je cite, hein, « Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. » Est-ce que la Cour suprême de justice aujourd'hui, qui fait office de la Cour de cassation, est-ce que cette Cour a la compétence pour juger quelqu'un qui n'est plus gouverneur, c'est-à-dire qui ne bénéficie plus du privilège de juridiction au moment où la plainte a été déposée à son encontre ou la dénonciation? La réponse est non. Pourquoi? Il n'y a des compétences que d'attribution. Je comprends le procureur général de la République. Il s'est peut-être trompé parce qu'en envoyant là-bas, il s'est référé à l'ancienne loi, l'ordonnance loi numéro 82-017 du 31 mars 1982. En son article 102, prévoit effectivement qu'un ancien membre du conseil exécutif qui, lorsqu'il était en fonction, a commis des fautes, lorsqu'il a quitté, il continue à garder ses privilèges de juridiction pour ces infractions-là qu'il a commises pendant qu'il était en fonction. Et donc, il peut être jugé à la Cour suprême de justice. Il y a la nouvelle loi du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, la loi numéro 13-0010. Et l'article 102 de l'ancienne loi a été élagué. On a récupéré l'article 109 qui, dans l'ancienne loi, ne concernait que les députés. L'article 82 de la loi actuelle est né que la copie collée de l'article 109 de l'ancienne loi. Donc les législateurs l'ont ramené et ils l'ont mis maintenant pour le gouverneur, tout comme les ministres au niveau des provinces, tout comme au niveau national. C'est-à-dire quoi? On tiendra compte du statut de la personne au moment où la plainte a été déposée ou la dénonciation. Dans la requête que le procureur a envoyée auprès du premier président de la Cour suprême, il dit bien que Moïse Katumbi est simple citoyen. Alors dans ce cas, Moïse Katumbi est justiciable devant quelle juridiction? Moïse Katumbi peut être jugé auprès de TGI, puisque c'est là où le juge naturel de Moïse Katumbi est. Moïse Katumbi est jugé jusqu'à aujourd'hui pour l'affaire de spoliation de la maison avec le greffe. Pourquoi à ce moment-là, on ne l'a pas jugé à la Cour suprême en disant qu'il bénéficie du privilège de juridiction? S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi avoir peur de faire...